Et Yaminacé et Deri, on se retrouve pour la suite de Pokémon Tournament DX. Et cette fois-ci, nous allons attaquer bel et bien la Ligue Bleue. Alors, comme vous avez vu, mon personnage a changé en bas à droite. On va le voir un peu mieux quand on va lancer le combat. Vous verrez. Tu as atteint la Ligue supérieure. Alors, qu'est-ce que ça fait de monter de rang pour la première fois? Oh, c'est la classe. Tu as beaucoup gagné en expérience. Tu vas commencer à rencontrer des adversaires plus forts. Alors, prépare-toi. Ok. Match de ligue. Donc, allons-y. Donc, vous savez que toujours, ce sera en deux parties, hein, parce que... il y a beaucoup de chances que c'est comme ça. Tout simplement. Allez, on retourne avec Yveltal et Latios. On verra si on change plus tard. Vous allez voir, mon perso a bel et bien changé. Ok. Lugulab, jamais affronté. Voilà, comme vous voyez, elle a changé, elle est un peu plus mignonne que d'habitude, que la première fois. Alors, Latios. Ouh. Ok, donc Lugulabre a une attaque à distance qui envoie des grosses boules et des petites boules. Il faut faire gaffe. Ok, 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 ok. Voilà, trou noir posé. Oh, bien joué. Une prise au corps. Voilà. Allez. Ok. Vas-y, Latios. Non, on se défend bien. Voilà. Ok, Yveltal, à ton tour. Nice, 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 guy. Ok. Et y en a toi. Là j'étais en train de lancer machination, mais c'est pas machination que je vais lancer. Yveltal, attaque mortelle. Une petite prise au corps pour le terminer. Voilà. Et voilà. Ça c'est nice. Ça c'est very, very, very nice. Alors. Ça c'est cool. Ok. Allez, on change pas les petits soutiens. Garde War. Ça c'est le parc Escavaren. C'est chelou. J'aurais fait un parc sur autre chose, mais après. Alors ça. On est chaud, on est chaud, on est chaud cacao. Allez. Non. Il ne m'aura pas comme ça. Allez, un coup là. On a bu lancer trou noir. Ok. Bon là le garde-war c'est pas comme si on l'a violé hein, clairement. Même si c'est le cas. Allez. On a Yveltal avec nous là. Oh.
Oh, bien joué cette attaque là qu'elle m'a fait. Pendant que j'étais en l'air, elle va contrer. Cette petite coquine. Allez. Nickel. Faut être au, au corps à corps. Ah, par contre, quand je suis en mode trou noir, je peux passer à travers, vous avez vu. Je fais un dash avant, je passe à travers. C'est juste excellent. Allez, on a terminé nos prises au corps. Ah non, ça n'a pas fait assez de dégâts, pas assez de dégâts. Elle a beaucoup de défense, on n'enlève pas autant qu'avant. Bon bah c'est bon. Eh ben, j'ai envie de dire que tout est nickel, hein. Et ça, c'est cool. Et ça, c'est cool. On est monté en niveau de point de niveau de compétence. Ouais. On va affronter ça. Let's go. Let's go, bitches. Un Pikachu catcher. Darkrai, mais comment ne peux-tu ne pas aimer ce Pokémon tellement classe? Un fantôme bien ténébreux. Non. Voilà. Allez. Allez, un petit coup de boule à la Zidane. Ah, on l'a pas touché, on l'a pas touché. Il a pas pris trou noir. Il a pas pris trou noir, c'est pas grave. Là, il le prend. Voilà. Nickel. J'appuie trop vite sur le Latios. J'ai cru que le petit coup du stick droit, du stick vers la gauche, aurait marché, mais non. Ah. Alors là, le Pikachu, il se fait violenter, mais d'une puissance. Allez, un perfecto. Ça, c'est bien. Franchement, là, on a tellement déchiré, les amis. C'est assez ouf. Oh, ça nous a bien monté les niveaux, là, l'expérience. Ça c'est cool, Nicolas. Ok, je vais te montrer notre synergie. Ok, let's go alors. Est-ce que je la joue en mode j'ai envie de voir ce qu'il donne ou pas? Est-ce que je la joue en mode est-ce qu'on voit ce qu'il peut donner? Est-ce que c'est quoi ces combos? Dracofeu, on n'a pas encore affronté Dracofeu. Est-ce qu'on le teste? On va essayer de voir son moveset. Ok, donc il lance des boules de feu, donc ok. A mon avis, Dracofeu doit faire mal. Ok, ok. Et c'est quand que je peux jouer, non? Oh, les dégâts qui m'a mis! Ah, mais les dégâts qui m'a mis! Bordel de dieu! Bordel de dieu! Oh les. Mais tu vas te calmer, bordel! Bon, là, il aura gagné le premier round, je pense, hein. Ouais, bien sûr. Là, le Darkrai en mode. Je vais me venger de ce que tu m'as fait, espèce de petit con. Ok, allez, viens là.
Ah, un petit trou noir dans ta gueule. Une petite prise au corps. Une attaque mortelle de Yveltal. Voilà. Ouh. On va essayer de le taper pour le réduire sa jauge de... Est-ce qu'on peut prendre une prise au corps pendant qu'il est en mode synergie? Non, on dirait pas que ça marche. Ça marche pas, je crois. Non, ça marche pas. Ok. Toi, tu vas dégager, est-ce que tu vas me casser les ouïes? Waouh. La prise au corps qui marche. Ok, je vois ce qu'il donne. Je vois ce que donne Rakofeu. Et c'est un véritable bourrin. Un bourrin et un bourreau. Allez. On va te faire voler. Voilà. C'est quoi de s'en prendre plein la gueule, hein? Allez, vitesse maximum. Avec une puissance destructrice. Ah, le terrain est tellement grand que ça le remplit pas. Ok, my bad. Bon, la Dracofeu, on l'a gagné, hein, donc voilà, on a win. Mais voilà quoi, il faisait mal, hein. Ce Pokémon faisait très très mal, hein. Ce serait vous mentir de le dire le contraire, bien sûr. Il faisait max de dégâts. M'attendez pas à ça. On monte de niveau de compétence, mais... Waouh! Je m'attendais pas à de tels dégâts. C'était un beau combat. Merde, j'ai pu s'en faire exprès, merde! En fait, vous êtes au courant? Le Pokémon noir a encore été aperçu. Celui qui était avec la fille? À la capuche? Oui, c'est ça. Il paraît même qu'elle ne porte pas d'oreillette de combat. Je me demande comment ils peuvent entrer en synergie dans ce cas. Quelques dresseurs se sont déjà fait malmener assez sérieusement. Alors faites attention. Ouais. Ce doit être le Mewtwo que nous avons combattu. Il avait un gros cristal aussi, non? Sur son épaule. Ouais, voilà. Maintenant que j'y pense, en plus d'être tout noir, il avait aussi quelque chose sur l'épaule qui ressemblait à une grosse pierre de synergie, non? Ah, c'était ça? Pourquoi qu'ils arrivent à rentrer en contact? Ils n'ont pas obligé d'être rentrés en contact avec une oreillette. C'est pour dire que ce soit une pierre qui lui donne cette apparence. Ah, peut-être aussi alors. En tout cas, on se retrouve dans plein de combats non officiels. Qu'est-ce qui mijote? Ah bah alors là. On affronte maintenant Yuto. Ok. Bah allons-y. Oh, on l'a jamais été sur Maison Hantée? Oh, la musique est classe. Ça fait vraiment fantôme. Ah, on voit les Fantominis et Spectrum, c'est trop beau. Oh, les Fantominis et Spectrum. Oh, il est vif. Oh, il est rapide. Oh, il est très rapide. Oh, il est rapide, faut faire gaffe. Oh, ok. Ok. Nickel. Une prise au corps. Nickel.
Allez. Nice, 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 nice. Oh, comme on le déchiquette. Est-ce que ça va marcher? Nice, c'est bon. Oh, elle est tellement classe. Excellente. Oh, Darkrai, t'es trop beau. Tu me fais border. Il est magnifique. Voilà. Et en plus, on monte au niveau de compétence 20. On augmente notre puissance. Et maintenant, on va assister au résultat. Alors, on va être combien? 41. Oh, ça se trouve qu'après, donc on sera peut-être dans les vingtaines alors. 22, 24. Une connerie comme ça, ça se trouve. Donc, allons-y. Oh, on affronte Akarchakrok. Akarchakrok. Ok. Allons-y. Fight. Ok. On va lancer du Vibroscure. Voilà. On rentre en phase de duel. Voilà. Trou noir. On retourne en phase terrain. On mettra en phase de duel au pire après s'il faut. Une petite prise au corps pour le fun. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Une petite, petite contre-attaque. Allez, allez, allez. Ouais, ça j'aurais pas dû attaquer au loin. Non, là je fais de la merde, En mode duel, il me fait mal. On va retourner en phase de terrain. Voilà. Oh, bon là il m'a remis en phase de duel, ok. Bon, alors prends ça alors. Oh. Oh, il fait mal. Oh, il fait mal. Oh, le coquin, il fait mal. Tu fais très très mal. Là, tu te déchaînes. Tu te déchaînes et tu m'enchaînes. Là, non, non, non. Waouh, 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 waouh. Calmos, mon cochon. Je te balance un trou noir dans ta gueule. On va essayer de lancer un ultime, s'il y a moyen. Et logiquement, ça va le tuer. Et voilà, ça l'a tué. Ah là-bas il y a un carnage. Oursaring aussi. Allez. Faire 30 combats, bah j'ai aussi 30 victoires alors, non? Ah bah oui, voilà, gagner 30 combats et faire 30 combats. Ah, pour l'instant on n'a pas de défaite, donc j'ai envie de dire, c'est cool. J'ai envie de dire, aucune défaite, ça fait plaisir. J'aime bien ce terrain en automne. On découvre de plus en plus de petits, de quelques nouveaux terrains. Donc plus on va avancer, plus on va en avoir des nouveaux. Allez, 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 allez. On est chaud, donc allez, on a Brazegali. On n'a pas encore affronté de Brazegali, on va faire très attention. Brazegali, je crois pas de souvenir. Ah si, je crois qu'on en a déjà affronté un, mais je crois qu'on l'a liquidé assez facilement. Ouh, ouh. Lui, il doit être, c'est un Pokémon dans la rapidité, ça. C'est un Pokémon rapide, ça, Brazegali, c'est obligé, je pense. Ah, mais tu vas te calmer ton sexe, toi. Bah oui.
Là. Trou noir activé. Ah, il a pas été touché. C'est en fait, il faut juste attendre qu'il se rétrécisse un peu mieux. Une prise au corps, on a gagné. Ok, 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 donc ça y a pas de souci. Allez. Oh, j'ai loupé mon attaque. Je crois que c'était. Je sais pas si c'est comme attaque, ça doit être entrave. Oh. Ouais, on s'en fout, on va essayer de le taper pour réduire sa jauge de synergie. Enfin, d'éclat là. Il l'a bientôt pu, il l'a bientôt pu. Si on met à une nivelle taille, ça le ralentit. Voilà. Et ça a stoppé son truc. Bien joué. À mon tour. Oula, il va baisser mon attaque de synergie à mort, lui. Il est rentré dedans, c'est bon. Il est mort. Excellente. Eh ben franchement, pour l'instant, on déchire bien, et c'est ça qui fait plaisir. Allez, nice. Faire 10 KO par attaque d'éclat. D'accord. Oh. Masco. Non, qu'est-ce que je dis, Masco, c'est deuxième et Junko après. Oui. De tête, je me suis dit, non, c'est pas Junko, mais en fait, si, c'est Junko. Je sais pas pourquoi ils auraient mis Masco alors qu'ils peuvent mettre Junko qui est bien mieux. Allez. Toujours la Tios. Là. Non. Oula, il fait des attaques derrière. Oh, je l'ai bien niqué pendant son attaque en l'air. Il est très vif, hein. À mon avis, lui, ça doit être un Pokémon soit de rapidité, ça se trouve, j'ai pas regardé. Est-ce qu'on met un petit Latios pour faire plaisir? Allez, un petit coup de boule. Un Latios pour enfermer. Ah, purée, ça, à mon avis, je pense qu'il faut que je le tape pour essayer de le redevier dessus. On fait un petit trou noir histoire de le mettre dans les cauchemars. Allez, bon, on termine la prise au corps. Hein. Oh non, il reste 2 PV, 1 PV. Voilà, allez, on va le terminer au coup de boule, on va pas spammer les boules. Un peu dégueulasse de spammer les boules. Hein. Oh, trop bien! Il peut rester en l'air. C'est-à-dire, limite, il peut rester en l'air et esquiver des attaques. C'est trop bien! Il s'est mis sur une liane. Oh, il l'a esquivé. Bien joué. Bien joué, Dieu. Franchement, excellente. C'était trop bien. Alors, il a l'air d'avoir des bons petits moves, le Junko, mais. De toute façon, il faudrait que je les teste tous alors. Et si je suis du mode et si je fais des vidéos online, j'essaierai de faire au moins sur un chaque Pokémon. Un Pokémon de chaque, donc voilà. Oh, Cradopo. La Cradopo, je n'ai pas encore affronté de Cradopo. Ça me dit rien. Donc
Radoupo, va falloir faire très gaffe parce qu'à mon avis, lui, il va être assez rapide aussi. Ce petit con, je le sens pas du tout. Je le sens pas lui. Ouais, d'accord, ok, d'accord. Donc, déjà. Waouh, ok, ok. Attends, c'est moi ou il se fout de ma gueule en plus, ce Radoupo? Non, mais attends, on dirait qu'il se. C'est moi, il s'allonge par terre en me disant je me fous de ta gueule. What the fuck, c'est quoi ça? Mais what the fuck, qu'est-ce qui fait mal ce con? On va jouer plus sur la défense, on va faire très gaffe surtout. Voilà, on va attaquer et bien se défendre en même temps. On va essayer de se faire, d'éviter de se faire spammer par Radoupo. Voilà. Ah, tu m'as bien surpris, mais je vais essayer de, faut que j'essaie de voir les moves que tu as. Ok. Voilà, si je me défends, il y a moyen de gagner. Oh! Il est passé outre ma défense! On va essayer de le taper avec un ultime. Je pense que ce sera le mieux. Voilà. Allez, Radoupo! Viens dans les ténèbres les plus obscures! Voilà, on a du 1-1. J'ai Yveltal maintenant avec son attaque mortelle. Il va pouvoir faire, je pense, vraiment mal. Allez. Oh bon, pour l'instant là on le viole. Là on est en train de reprendre. Nickel. Alors là mon coco, tu fais plus le malin. Je te jure que je te mets des baffes dans ta gueule. Petit con. Allez, vas-y, repose-toi. Non mais oh. Et l'autre côté de la caméra, voilà. Non mais oh. Ah, ce Radoupo, il était insane. Ah, on termine avec un Brasegali. Non, ce Radoupo était insane, hein, franchement. Et petit, rapide, il fait mal. C'est un petit con. Radoupo, le petit con. Allez. Ok. On va faire gaffe là. Ah putain, j'aurais dû rester sur ma défense, j'avais hésité. Ok, il se défend. Il se défend bien. Attends. Voilà, ça, s'il se défend encore trop, on fait une prise au corps comme ça. Voilà. Ok. Fennec. Touche pas avec ton Fennec. Tiens, vas-y, voilà, vole dans tous les sens. Allez, dans le dos. Voilà, il est tal maintenant, viens avec moi. Pour le next round. Et le final round. Pour moi. Alors je sais pas s'il y a moyen de retirer la meuf qui arrête pas de parler en haut gauche, parce que des fois c'est chiant.
Ouais, c'est énervant, mais c'est casse-couille. Moi, j'aimerais bien que. Je sais que je peux appeler mon coéquipier ou faire telle ou telle chose, mais. À mon avis, il y a moyen de regarder dans les options, je regarderai. Oh, là, on lui a balancé un combo Yveltal. Un Yveltal et un combo de Darkrai. En plus, on lui balance un trou noir juste derrière. C'est juste insane. Oh, oh. Qu'est-ce qui fait mal? Là, il m'a bien enchaîné, ce con. Si je peux lui faire un ultime dans sa gueule, je vais le calmer, mais... Sec. Ouh. Mais c'est vrai que quand il est en synergie, il peut se régène. Arrête de te régénérer, PV, espèce de... Ah non, mais moi, je me régène. Eh oui, je suis encore en synergie, moi, c'est vrai. Allez, ah. Mais arrête de te régénérer, espèce de petit con. Vous êtes tous des petits cons, en ce moment. Hein? Vous êtes tous décidés de faire chier Dridri. Allez. Allez. Voilà. Ouh. Bande de petits cons, vous avez essayé de faire chier Dridri, hein. C'est ce que j'ai vu, hein. J'ai remarqué, vous êtes des petits vilains. Sérieux, quoi. Ah, un t-shirt de grande rayure. Ok. Alors combien? 22, 24, 21, 22, ok. Bon bah c'est nickel, hein. La prochaine, et ben ce sera la fin de la Ligue Bleue Rancée, les amis. Voilà. Bon, et ben les amis, on va cesser là. En tout cas, voilà, nos fights étaient vachement sympathiques. Et on était sur un Dracaufeu qui faisait super mal. Un Brazegali assez rapide et un Cradopo qui était un véritable petit con. Voilà. N'hésitez pas à commenter, à liker ou à vous abonner. Je vous dis à très bientôt et à la prochaine. Ciao, ciao, Mina.